Le MFP refuse de s'inscrire dans de quelconques mouvements ou partis politiques que ce soit. Il travaille uniquement de concert avec toute structure gouvernementale ou non ayant le même objet que le sien, telle que la Convention de Washington, qui œuvre pour la conservation et la préservation des espèces menacées d'extinction dans le monde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au nouveau conservatoire et refuge d'urgence pour Saint-Jean-d'Angers du MFP, le refuge de la ferme. Un nouveau lieu d'accueil fraîchement installé en France à quelques 150 km de la capitale, Paris, en Champagne-Ardenne et plus précisément dans le petit village d'Aix-en-Othe en bordure de forêt d'Orient où il y fait décidément bon vivre. Avant de vous inviter à visiter les lieux, je vous rappelle très brièvement, les principales missions du MFP qui consistent donc à secourir et à recueillir les singes en danger sur tout le territoire européen. Alors, ce sont les singes issus du trafic criminel d'animaux sauvages, donc malheureusement pour la grande majorité d'entre eux issus des centres de rétention des services des douanes. Ce sont les singes issus des laboratoires d'expérimentation animale. Ce sont les singes issus de cirques et zoos, et enfin les singes qui ont été tout bonnement abandonnés sur la voie publique par leurs détenteurs légaux ou non, après que ceux-ci aient subitement réalisé à quel point il est extrêmement difficile, voire impossible, d'élever chez soi en captivité des animaux sauvages tels que les singes. D'autant plus que ces animaux sont protégés par la Convention de Washington dont l'Europe est signataire. Une convention, vous vous en doutez, qui réglemente le commerce de ces animaux afin d'éviter bien sûr de les voir totalement disparaître un jour de la surface de notre Terre. La mission du MFP est aussi une mission d'information, de sensibilisation auprès du public qui serait tenté par l'achat illégal d'un petit singe lors d'un prochain séjour touristique ou tout simplement par la voie du web sur lequel les escroqueries en la matière sont monnaie courante. Enfin, la mission du MFP est une mission d'accompagnement pour les soins sanitaires et les démarches administratives effectuées par les détenteurs légaux ou non de singes, et ce, en garantissant à ces mêmes détenteurs légaux ou non l'anonymat, conformément à la loi information et liberté, bien sûr. Voilà, j'en ai fini avec le rappel des principales missions du MFP. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de la petite Sabrina Junior à travers l'une de ses journées type passées au refuge de la ferme. Sabrina Junior, qui est issue du trafic criminel d'animaux sauvages, est une jeune guenon Macaca sylvanus, âgée de 1 an et demi, et dont le nom commun est le magot. Sabrina est originaire de l'Atlas marocain. Après avoir été abandonnée sur la voie publique par son propriétaire, la petite a été recueillie par le MFP le 23 septembre 2008. Elle était alors âgée de 1 mois et demi, donc élevée au biberon. Sabrina appartient à l'une de toutes les espèces de singes actuellement protégées par la Convention de Washington. Aujourd'hui, Sabrina Junior vit en semi-captivité au refuge de la ferme et intègre peu à peu le milieu naturel français. Un milieu qui rappelle à son instinct son lieu de vie originel. Dans un très proche avenir, Sabrina fondera sa propre famille et pourra ainsi finir ses jours paisiblement, dans la dignité, dans le respect de sa nature et surtout de ses réels besoins, dans une réserve naturelle protégée. Thank you.
constant.